God's plan, so it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He's there, no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro, when you're faced with life decisions and a choice where to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do when you feel you have reached the end. He'll make a way. Closing in, when the tide is swiftly rising and you wonder where He's been. Friends, there's never was a moment that His arms weren't reaching out. You can rest assured and be secured, God is moving right now. Merci à Malaka Jonis. On a des requêtes de prière, je suppose pour ces requêtes. Après quoi, la soeur Elisabeth, une spéciale. On demande de prier pour le fils du frère Govinden, prier pour le frère Silvio qui souffre de ses yeux. Laisse-nous combattre, frère soeur, dans le respect pour car prier pour ces requêtes. Moi, je demande le frère José Risson, s'il vous plaît, frère José, d'une prière pour nous. Et descendit et si bas, 438. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants et bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le... En tous les lieux. En
tous les lieux dans la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il pardonnait aux pécheurs repentants et bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Amen, qu'il soit béni. La sœur Elisabeth, s'il te plaît. Called me here below. We
Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de chanter après quoi, les frères Nandaka. Pendant que Into Your Presence I Come, c'est en Ré 426. Into Your Presence I Come, not by the works I have done, but by Your grace alone. Into Your presence I come, not by the works I have done, but by His grace, Your grace alone. Into Your presence I come. Ensemble, nous rendons grâce, Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Nous voulons prendre avantage de chaque instant dans cette sainte présence. Tu es Dieu, tu demeures Dieu d'éternité en éternité. Tu es le créateur des cieux et de la terre, tu es l'auteur de la vie éternelle. Merci pour le pardon que tu nous as accordé. Merci pour le libre accès dans ton sanctuaire. Oh, combien de fois les gens ne réalisent pas ce grand privilège que nous avons de pouvoir nous approcher avec toi, Seigneur, devant ton trône de grâce, pour être secourus dans le besoin. Seigneur, merci pour ce peuple rassemblé ce soir. Et comme hier, nous allons parler, nous sommes dans l'expectative de grandes choses. Nous sommes dans le commun accord, nous voulons voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons voir les résultats de la parole. Combien tu confirmes ta parole par des signes et par des prodiges. Merci, Seigneur. Pour toute chose ce soir, nous prenons tout esprit sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous laissons cette réunion entre tes mains du début à la fin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais m'asseoir un instant. Nous ne pouvons pas trop tarder, mais c'est n'empêche qu'il me demande toujours, frère, une petite permission toujours de lire une petite citation pour vous avant qu'il nous rentre dans la réunion. Et je sais que ce soir, il y a une personne à peine nouvelle. Nous voulons les accueillir tous, tout le monde qui est nouveau dans la salle. Et aussi, je vois le papa et la maman de Ludovic de France qui sont là. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Et merci d'être venu. Et si c'est une nouvelle personne ce soir, nous vous apprécions. Et soyez les bienvenus parmi nous. Attendez-vous à une bénédiction ce soir. Que Dieu nous bénisse. Right. Et petite annonce rapidement, ce sera que pour aujourd'hui seulement, parce que vous savez que nous ne pouvons avoir aucun livre le dimanche, selon ce que dit le prophète, le dimanche on ne vend rien. Alors on a eu la biographie, ça m'a fait attendre depuis longtemps, on a eu la biographie qui est arrivée, tous ceux qui en viennent copie, c'est à 250 copies, c'est très beau marché. Je disais que si vous allez au Congo ça se vend à $35 la pièce. $35, c'est 1050, et vous avez ça ici à distance. Et c'est un livre, et je disais que des fois, nous témoignons quelqu'un n'y pas comprend. Donner un livre comme ça, il y en a beaucoup de choses qui se passent. Alors, et même si je vais faire un cadeau à quelqu'un pour l'année, donner ça, pas donner un cadeau inutile, donner un cadeau comme ça, ce serait bien. Je faisais le témoignage d'un petit garçon qui avait 11 ans à Madagascar, il s'appelle Ryan Akutundajon. Ce jeune garçon, il a commencé à lire cette brochure, il me dit, Fernanda, c'est terrible. Et ça l'a poussé à ouvrir le coffret de son papa qui est décédé pour aller prendre toutes les brochures et lire aussi. Alors, prenez avantage. Pas longtemps, on va continuer à faire ça. Pendant des années, j'ai fait des choses pour l'église du message à Maurice, pas l'église Pénienne seulement. Pour toutes les églises du message, j'ai fait venir beaucoup de choses qui m'ont coûté beaucoup d'argent et qui m'ont coûté beaucoup de montants, qui ont aussi fait une pénalise beaucoup de gens pour aller à la douane, pour faire beaucoup. Vous ne savez pas les démarches qu'il y a derrière là. Vous ne savez pas les nombreux emails que j'écris. Vous ne savez pas les nombreux échanges d'argent, transferts d'argent pour vous faire avoir ça comme ça. Et je crois que c'est bien d'en profiter. Nous avons d'autres productions, d'autres livres.
relatifs au message. Nous n'avons rien en dehors relatif au message qui seront exposés tout à l'heure à l'extérieur. C'est seulement pour aujourd'hui. Le dimanche, on ne vend pas. Alors ceux qui les prennent avantage, prennent avantage. Et aussi la semaine prochaine, l'annonce, je fais l'annonce la semaine prochaine pour l'église Péniel et le frère Ashok aussi est invité. On aura un visiteur qui s'appelle Louis Govindraj. Louis Govindraj était quelqu'un chez qui on habitait, qui me prêche pour lui, je crois, à deux reprises à Durban. Alors semaine prochaine, samedi le 7 et dimanche le 8, on aura une convention encore avec un visiteur sud-africain, un frère, n'est-ce pas, il s'appelle Louis Govindraj. Un ancien dans le message, les jeunes, n'est pas trop âgé, et nous l'aurons ici samedi prochain à 4h toujours et dimanche à 10h. Alors je crois que c'est clair, tout le monde, il notait là, dans notre répertoire de mémoire quelque part. Et voilà un peu, je voulais vous dire ça et aussi nous les saluer aussi chaudement, la famille, la grande famille Rodriguez, hein, qui parmi nous, le frère Fanuel et son épouse, la sœur Christine, et ses trois enfants sont là, je crois, Elohim, Noah et Timothée. Billy Paul, il y a encore quelque part, il va nous rejoindre d'ici peu. Et aussi, nous avons la sœur Danette, je ne sais pas si elle est là ce soir, la sœur qui est l'épouse, ah, elle n'est pas venue, pas encore, ou bien elle n'est pas venue. Ah, ok. Je croyais que la sœur qui est l'épouse du frère Zacharie, du pasteur Zacharie, elle n'est pas encore arrivée. Elle devrait venir. Et nous saluons aussi Laval et la sœur Elisabeth. Alors nous avons quand même un petit groupe Rodriguez parmi nous. Nous avons aussi un frère qui nous vient de Mozambique qui est là. Et je n'ai pas eu son nom. Yadine Diawa, ce nom, vous parlez ici, gagne ce nom. C'est un jeune garçon qui peut faire un stage ou bien ici, là, chez nous, à Fikanflak. Il sera là pour un mois. Il est déjà ici, déjà deux semaines. L'Ibane Ressigain, les coordonnées, c'est que quand j'étais à Roderick, il a téléphoné, j'étais à Roderick, et là j'ai pu l'orienter vers l'église. Voilà, ce ben jeune qui a envie de jouer avec lui, ce gars a joué avec sa frère, il a fait les sorties, il dit à la maison, chez nous. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Mais là, une chose très importante, écoutez attentivement. Le frère, je vous ai dit que le frère, il reste enfermé dans sa chambre, jeûné pendant toute une journée. C'est-à-dire qu'il ne prend rien, rien, rien. Quand je dis rien, rien, il ne mange rien. Donc, après la réunion, il a faim. Comme ça, il part vite pour aller manger. Et c'est la sœur Mala qui cuisine pour elle ou bien on fait quelque chose. Et alors, il va prier ce soir pour 10 personnes. Alors, 10 personnes malades. Eh bien, je crois que vous, les croyants qui établissent assez longtemps, donnez priorité à ma nouvelle personne. Mais il priera pour 10 et demain, il priera pour le reste. Right? Aujourd'hui, il priera pour 10 personnes. On aura la ligne de prière pour 10 personnes. Il y a une dame qui vient de Belgique. Si elle peut rester jusqu'à la fin de la réunion, on va prier pour elle. Voilà, c'est bien. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Un peu mieux? Très bien, très bien. On avait prié pour elle hier, elle était possédée. Mais de la voir dans la présence de Dieu, elle était malade, très souffrante hier. De la voir ici, que Dieu vous bénisse et on va prier pour elle. Alors, on priera pour 10 personnes, on aura une queue de 10 personnes et demain, il priera pour le reste. C'est clair l'église? Bon, vous allez répéter encore? Non. Il priera pour 10 personnes. Alors, comme hier, je voulais montrer 3 citations ou 4 citations pour vous préparer pour la réunion. Hier, j'ai montré des citations par rapport à l'attitude qui nous a adoptée quand on est venu dans la présence de Dieu. J'avais montré un petit peu l'accord, l'unité. J'ai aussi donne 2 ou 3 sur comment, quand le prédicateur prêche et que le croyant croit, reçoit, dit amen à la parole et que quelque chose doit se passer. Ça prend les deux côtés. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui prêche, il faut que le croyant dans les bancs écoute. Alors, évite somnoler, évite dormir, peut-être que Dieu envoie quelque chose. Alors, je vous lis maintenant quelques citations rapidement. Après, donne-moi ça. Le 11 mars 62, la plus grande bataille jamais livrée, la voix de Dieu. Paragraphe 50, je vous lis ça rapidement et on va passer à la parole. Elle vous recevra. Faire de la réunion une réunion de joie. David peut dire, nous n'avons pas d'une veillée mortuaire. Amen, amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et il y a entré dans ses parvis avec des chants et des cantiques. Et je voulais vous dire aussi une chose. Pas servir bon Dieu que pour l'occasion, quand vous avez un besoin. Servir tout le temps.
Hein, respectez, vous avez des besoins, bien servir tout le temps. Allez, prends sa petite citation. Paragraphe 50, la plus grande bataille jamais livrée. Si Dieu pouvait permettre ce matin, nous dirait cet après-midi, que ceci nous amène à avoir un vrai service de guérison, que nous puissions garder cette partie, ce groupe de gens que nous avons ici, rassemblés sous ce toit, ce soir, dans une telle harmonie que le Saint-Esprit place chaque membre du corps présent cet après-midi dans une harmonie telle qu'il y aurait une guérison vraiment spontanée de l'âme et du corps, si seulement nous restons à notre position. Montagne trop chiquine, amen. Comme tu ne peux pas croire le prophète, vous savez que moi, ma vie, moi, la vie est changée par le prophète. Je ne pas honté, je pas ni quelqu'un qui pour laisse-moi intimider par un grand intellectuel ou un grand théologien pour vraiment détourner du message. Non, je n'ai pas peur d'aucun géant dans le pays. Parce que Dieu nous donne la puissance pour combattre ces géants-là. Ouais. Alors, je pas honté aussi quand je lis le message. Moi, il a la vie, frère. L'homme que vous voyez devant vous là, un homme qui devrait mourir bien longtemps. Vous êtes mort de l'asthmatique, asthme, bon, Dieu ne guérit moi. Vous êtes mort de dépression nerveuse, vous avez gagné la schizophrénie, maladie, suicidaire. Dieu ne délivre moi. Voilà pourquoi, Andy Wynn qui vient nous redire moi, Branham, c'est si je viens trop tard, parce qu'il me croit de sa prophète là. Right? L'in délivre moi, j'étais un membre de l'Assemblée de Dieu pendant bien longtemps. Quitte l'Assemblée de Dieu, moi j'étais membre fondateur de l'église pentecôtiste unie. Moi je fais la comparaison entre l'église pentecôtiste et là où je prie maintenant. Je ne fais pas de publicité pour venir ici. Nous pas faire ça, mais nous croire dans un message qui est authentique, qui est réel, qui apporte des résultats. Merci Seigneur, c'est vrai, c'est bon. Alors nous prenons notre citation, paragraphe 75, même brochure. Je vous fais lire ça, paragraphe 75, même brochure. Regarde ceci, il y a si cette église, regarde ce qu'il dit, maintenant même, pouvait être unie et liée si étroitement que toutes les personnes soient d'un commun accord, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute nulle part, d'ici 5 minutes, il n'y aurait plus une seule personne faible au milieu de nous. Est-ce que vous croyez le prophète? Et il dit ceci, il n'y aurait personne ici. Ah, j'aime ça. Il n'y aurait personne ici qui désire le Saint-Esprit qui ne le recevrait. Si seulement vous pouvez régler cette chose-là. Donc, c'est là que la bataille s'engage, en plein là dans votre pensée, à savoir si vous voudrez. J'ai lu ces deux citations. Maintenant, je vais lire deux autres. Écoutez-moi, les gens viennent pour la guérison, mais des fois, si vous avez le péché dans vos vies, ne venez pas. Parce que vous ne serez pas guéri. Il faut d'abord confesser vos péchés. Alors je vous lis ça. Même brochure, paragraphe 102. C'est pourquoi les gens, des fois, prennent la guérison divine comme une façon facile. Non, non, il faut bien obéir. C'est paragraphe 102. Domaine, tu mets là-haut. Il y avait une petite fille. Domaine, tu mets là-haut. Mon temps, tiens, allez, voilà, encore un peu. Encore un peu. Je vais vous lire. Voilà. Une petite fille est venue, il n'y a pas longtemps, c'est une fille malade, qui a une maladie Hodgkin. Hodgkin, c'est un cancer qui lève dans la peau. Et il est levé. S'il est dans les cœurs, du l'amour. S'il est dans un organe central, du l'amour. Alors il est partout, n'importe qui l'est, pas connaît, subitement il est levé. Alors cette fille-là souffrait de ça. Elle allait mourir dans n'importe quel moment. Regarde maintenant. Sa mère m'avait téléphoné, elle disait, frère Branham, ma fille est atteinte de la maladie de Hodgkin. Les médecins, c'est un cancer qui prend la forme de bosse. Les médecins ont fait un prélèvement d'une lésion qu'elle avait à la gorge. Ils l'ont envoyée et c'est exactement ça, la maladie de Hodgkin. Alors il a dit, la prochaine lésion, ce pourrait être une lésion au cœur. À ce moment-là, elle est fichue. Elle va mourir. Elle a dit, elle n'a à voir l'évolution des lésions, elle en aurait peut-être pour 3 mois à vivre à peu près ça. La mère disait, qu'est-ce que je vais faire? La renvoyer à l'école? Il a dit, laissez-la y aller, parce qu'elle va probablement partir tout d'un coup.
Et il a dit, laissez-la y aller simplement et qu'elle mène une vie normale autant qu'elle le peut. Ne lui en dites rien. Alors la dame m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, amenez-la et faites-la passer dans la ligne de prière. Écoute bien, dans la ligne de prière. Et j'ai dit, vous aussi, venez avec elle. Je ressentais comme une drôle d'impression. Regarde ce qu'il voit maintenant. Et quand la petite fille est passée ce matin-là, avec les lèvres toutes bleues à cause du maquillage. Elle avait le maquillage. Petite fille avec les lèvres toutes bleues, maquillage. Comme ça se passe dans les écoles. Et la petite est passée, je ne savais pas qui elle serait, qui allait me téléphoner. Je lui ai pris la main, j'ai dit bonjour sœur. Elle était là, c'était elle. Au bout de seulement quelques instants, je regardais vers sa mère et j'ai vu qu'elle était toutes les deux sans Dieu, sans Christ. J'ai dit, comment pouvez-vous vous attendre à une guérison sur cette base-là? Comment nous attendre que Dieu guérisse nous avec un lavis de péché? Il y a maintenant, allez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Et on vous demande ça ce soir. Pas venir servir Jésus-Christ pour une guérison momentanée et vous en aller. Il faut le servir tout le temps. C'est très important. Décidez-vous à le servir tout le temps. Mais maintenant, allez-vous venir au baptistère ici, être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés? Elles ont dit, nous le ferons. Oh, vous savez ce qui est arrivé? Cette femme était assise ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous connaissent le cas. Frère Mike Egan, l'un des administrateurs ici, a suivi le cas. Il y a environ 4 ou 5 ans de ça, la petite fille a été ramenée chez le médecin. On n'a même pas trouvé la moindre trace de la maladie Hodgkin en elle. Pourquoi? Elle a mis ça en ordre d'abord et Dieu l'a guérie. Elle a pris une décision et Dieu l'a délivrée. Right. Une dernière citation. Paragraphe 85, le message. La brèche. Prêché le 18 mars 63. C'est pareil. Quand il s'agit de prier pour les malades, tant qu'on n'a pas trouvé la cause, je connais le remède, mais je dois trouver la cause. C'est pour ça que les visions sont si nécessaires et qu'elles jouent un rôle si important. Elles révèlent le secret du cœur. Elles disent à la personne où elle a fait son erreur et ce qu'elle doit faire. Voyez, peu importe la quantité de médicaments que vous prenez, la quantité d'huile que vous leur versez sur la tête, ô combien on peut crier sur vous, s'il y a quelque chose de faux, il ne bougera pas de là. J'ai dit il, c'est-à-dire Satan. On va prier pour vous, vous roigne d'huile, et bien criez, sautez, vous ne serez pas guéri. Parce que Satan va rester toujours là. Il vous dit, non, non, j'ai le droit de rester là parce que de sa vie de péché. C'est pourquoi avant de venir à la ligne de prière ce soir, je crois que c'est bien de vous lire ça. Vous savez, dire, beaucoup de prédicateurs nous embêtent avec une vie belle rose, n'est-ce pas, fleurie. Il dit, non, il faut vous dire la vérité. Pour qu'il y ait la guérison, il faut que votre cœur soit nettoyé. D'accord l'église? Vous aimez le message? Moi, pas votre main là-haut. Moi, j'aime quand Dieu me parle. Quand Dieu me parle, c'est pour mon bien. Le jour où vous savez que moi, longtemps, moi aussi dans la mission sans la guérison, j'avais, moi aussi, si toujours ouvert, déboutonné ici, pas là, n'est-ce pas, avec mes cheveux, eh bien, ma poitrine dehors, avec la scène en l'eau. J'étais chrétien, entre guillemets. Et j'avais les cheveux retombés sur mes oreilles partout. Quand on vit à la parole en 1979, il y avait un pasteur qui s'appelle Nelson Haynes, aussi de Sud-Afrique. Il dit, frère, tu vas en enfer. J'ai eu un choc. Je m'en avec tes cheveux là, elle coupe ça. T'es comme une femme. Avec ton estomac ouvert comme ça. C'était un choc pour moi. Et le lendemain, j'allais me couper mes cheveux. Je travaille, moi, je fais un grand travail si comme. Je connais vous gagnez là. Oh, mais qui arrive toi? Vous aurez une vie claire, frère, parce que j'ai une couverture. Mais je le fais. Quand la parole, il m'a dressé, il m'a fait me dresser tout de suite. Et j'ai vu la bénédiction. Discazo dit, bon, Dieu me bénit, moi, pour ça. Alors, quand la parole nous dit de faire quelque chose, par envoi demain. Faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite et Dieu vous bénira. C'est dans le message, lire à la maison, le choix d'une épouse, tout au début, de quand Dieu vous parle.
agir sur le champ. Pas attendre demain. Parce que demain ne vous appartient pas. D'accord, l'église? C'est vous debout ensemble? Alors, tout le monde a bien compris là, hein? Samedi prochain, convention avec le frère Louis Govindraj, le 7 à 4h et dimanche matin à 10h. Je ne sais pas qu'est-ce que ces frères viennent prêcher. Vous savez que des fois, quand les gens viennent prêcher, eh bien, nous demandons attention, il y a un coup de fil. Mais de toute façon, je crois que tout le monde a besoin de quelque chose. Amen. Et Dieu vous parlera. Prends un petit chant pour sa gloire. Eh bien, nous sommes heureux ce soir. Merci Seigneur. Prends un petit chant. Blessed be the name of the Lord. Chante cela pour sa gloire. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hand in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Ok, David, le frère, turn your eyes upon Jesus. Êtes-vous prêt pour la parole? Priez pour moi, m'obéissez dans la prière, parce que c'est un grand challenge qu'on a pour l'interprétation. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Keep your eyes upon Jesus. Your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange. Lead Him in the light of His glory. Gracious Heavenly Father, bienveillant Père Céleste, we come to thee once again in this evening hour. Nous venons à toi une nouvelle fois en ce temps du soir. With our broken hearts, avec nos cœurs brisés dans ta sainte présence. Lord, you may undertake for us in this wonderful meeting. Seigneur, puisses-tu entreprendre pour nous dans cette réunion merveilleuse. For thou knowest the desire of your children. Car tu connais les désirs de ton peuple. May you open the windows of heaven. Puisses-tu ouvrir les fenêtres du ciel. And send the showers of blessings. Et faire pleuvoir les bénédictions, Seigneur. Let the angels descend and ascend. Que les anges puissent descendre et monter. Like it was in the days of Jacob when he dreamed. Comme c'était au jour de Jacob, quand il avait eu la vision ce jour-là. And surely he said, this is no other than the house of God. Et il a exprimé certainement, ici c'est rien d'autre que la maison de Dieu. Father, we want to feel your presence tonight. Oh Père, nous voulons ressentir ta présence ce soir. That you may heal the sick. Afin que tu puisses guérir les malades. And those who are burdened, those who are
under oppression, may you send the power of deliverance. Ceux qui ont des fardeaux, ceux qui sont sous la puissance de l'oppression, envoie ta puissance pour les délivrer. For thy word never changes. Parce que ta parole ne change pas. It's the same yesterday, today and forever. Ta parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. May the same anointing power come down like in the days of the prophet. Que la même puissance d'onction descende comme au jour du prophète. Because you never took away the power of God. Parce que jamais tu n'as ôté la puissance de Dieu. But the church is empowered from high with the same Holy Spirit. Mais Seigneur, avec la puissance d'en haut, Seigneur, avec le même Saint-Esprit. May we see your presence, puissions-nous Lord. Voir ta présence, Seigneur. Anoint thy word for the benefit of our souls. Oint ta parole pour le bénéfice de nos âmes. Because that is the absolute to convert us and to make us worthy for the coming of the Lord. Et c'est ça, Seigneur, l'absolu, Seigneur, pour nous rendre dignes pour la venue du Seigneur. We ask your blessing tonight in Jesus' name. Nous demandons ta bénédiction ce soir dans le nom de Jésus. Amen and amen. Amen, amen, amen. Bless you tonight. Seigneur, bénis ce soir. We go straight to the word. Nous allons directement à la parole. As we read from the book of Hebrews. Le lire dans le livre des Hébreux. Hein, le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament, chapter 10, verse 22. Chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22, suivez attentivement, n'oubliez pas de dire amen à la parole, hein, et Dieu fera le reste. Attendez-vous à un grand miracle ce soir, attendez-vous à une bonne atmosphère. Hébreux, au chapitre 10, verset 22. Chapter 10, verse 22 reads, and let us consider one another, let us draw nigh with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Verset 22, Hébreux 10, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. The Lord bless the reading of His word. Le Seigneur bénisse cette lecture de la parole. Pray again. Prions une Gracious nouvelle fois. Father, we bow our heads once again to the ground. Père bienveillant, encore une fois, nous inclinons nos têtes vers la terre. As we raise our hearts in expectation. Alors qu'il nous lève nos cœurs dans l'expectative. Before the throne of mercy. Devant le trône de la miséricorde. We ask of your mighty hand to come down. Nous demandons que la main puissante descende. As we stand here as your servants. Alors qu'il nous met debout ici comme ton serviteur. We ask of your anointing to take control upon us, Father. Nous demandons que l'onction prend le contrôle that de nous. You may Père. Speak through thine vessels. Afin que tu parles au travers de tes vases. Let your the hearts of your children be receptacle to receive the word in due season. Afin que les cœurs de tes enfants soient réceptifs afin de recevoir la parole en sa saison. For the word of God is life and power to them that believe. Parce que la parole de Dieu c'est lumière et puissance pour ceux qui croient. Thy word is a spirit. Ta parole est un esprit. Anointed to the hearers. Eh bien, ouais, cette parole aux auditeurs. Deliver them, O God. Délivre-les, ô and bless Dieu, them abundantly. Et bénis-les abondamment. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Be seated, please. Vous asseoir. I hope you are fine tonight. J'espère que tout le monde est bien ce soir. Are you feeling good? Est-ce que vous sentez bien ce soir? Bless you tonight. Dieu vous bénisse ce soir. We're looking at the faith without discernment. Eh bien, ce soir, nous parlons sur le sujet la foi sans le discernement. Without vision. La foi sans vision. And without emotion. La foi sans émotion. That's what faith is all about. C'est ça, quand on parle de la foi, c'est sans émotion.
Just to build up before we are coming to the prayer time. Alors, prayer line. Nous pour construire la foi là avant qu'il nous commence la ligne de prière. Faith can be spoken in many ways. La foi nous capable parle de ça de plusieurs façons. And I want to take another angle just to bring up your faith. Alors, vous pouvez approcher la foi ce soir d'un autre angle. Through the receiving of your desire. Afin qu'il y ait la foi pour recevoir votre désir. Because healing is within you. Parce que la guérison est en vous, ça. It's not an imaginary thing, but it's a reality that you can possess inside you. Eh bien, la guérison n'est pas une imagination. C'est une chose réelle que tu as possédé là en vous. That's why the waking of faith does not depend on any circumstance. Voilà pourquoi l'œuvre, l'opération de la foi n'est pas dépendre sur les circonstances. But it depends on God's word. Mais la foi, sur l'efficacité, dépend sur la parole de Dieu. That's why we spoke about the word of God yesterday. Voilà pourquoi hier on a parlé de la parole de Dieu. Where you must lean on. Sur laquelle nous besoin appuie-nous la parole. So that's where faith is based on. Voilà où la foi est basée. Because many times people depend on feelings. Parce que bien des fois les gens mettent l'emphase sur les sensations. They want to have an experience of a vision. L'expérience d'une vision. Or discernment. Ou d'un discernement. When they are discerned, when they see a vision, when they have a dream. Quand ils ont un songe, quand ils ont une vision, quand ils ont un discernement. Or they feel an emotion, a feeling in the body. Alors ils sentent dans le corps une émotion. Then they think now that their faith can work. Alors à ce moment ils pensent que la foi capable n'est-ce pas être efficace? Which might be good. Qui peut-être ça va être bon. But faith does not depend on that. Mais la foi ne dépend pas de ces choses-là. Faith depends upon the word of God. La foi repose sur la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. That's where you can, catch the vision there. C'est là que tu vas saisir la vraie vision, la vision. That's where God will work. La parole. Voilà où Dieu où travaille la plupart du temps. Amen. Amen. The time of Peter, they just descend. Let me see that just one scripture as we move on. Alors qu'il nous continue de voir ça. Let's move on. And second. The next one. L'autre. The Bible says in the book of Acts 5. La parole dit dans Acte 5. Says in so much that they brought forth the sick into the streets. Ben là, il amène les malades dans les rues. And laid them on beds and couches. Et il fait repose le man civière, le man lili. That at the least of the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Ou bien au moins ne se fait rien que l'ombre de Pierre qui passe sur eux et the tout in guéri. Hein? Tout le monde était guéri. And the Bible says, and they were healed, everyone. Et la parole dit que tout le monde, chacun était guéri. They just perceived that the shadow of Peter had power. Seulement de ne réussir à reconnaître que l'ombre de Pierre avait cette puissance-là. They didn't even wait for Peter to pray for them. Ces gens-là pas attendre que Pierre prie pour eux. They just laid the sick people in the streets. Ils seulement déposent les gens malades dans les rues. And the shadow of Peter passed over them. Et l'ombre de Pierre n'a fait que passer and sur eux. And they got healed, every one of them. Et tout le monde a été guéri, chacun d'entre eux. They had so much faith. Ils ont tellement la foi. That they pulled the virtue from Peter. Ils tellement la foi que le film tire la vertu, la force de Pierre from de loin, d'une distance, d'une tire la, that la vertu. Kind of faith is what we desire. C'est ce genre de foi, c'est ce que nous désirons. We are climbing higher into higher rims. Nous pouvons maintenant gravir un échelon plus élevé.
Not just a faith when you want to be pushed, you want to be laid hands. We want to climb higher when you can believe even where you are seated. La foi où ton envie qui nous pousse toi, n'est-ce pas, ou bien ton envie qui nous impose toi les mains, mais l'autre la foi, l'autre niveau de foi, toi. De loin, tu as tout seul. Et vous allez voir la puissance amen, de l'Église. Un autre niveau la foi. Hallelujah. Hallelujah. Are you here tonight? Êtes-vous présent ce soir? We need to raise our faith. Nous devons élever de la foi. Until we can pull the virtue. C'est qu'il nous faut tirer la vertu. And receive the healing. Et recevoir la guérison. Because faith is a reality. Parce que la foi est une réalité. It's not an imaginary. La foi n'est pas une imagination. God can work where you are seated. Dieu there. Dieu ne travaille là que toi assis là. And receive a healing tonight. Et recevoir ta guérison là où tu es là-bas. Amen, amen, amen. Amen, amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Move on. Yes. Remember, it says in the message, I will restore. Dans le message, je vais restaurer ou bien restituer, prêché le 10 novembre 53, paragraphe 50. It says, and they looked and seen that spirit of discernment that was on Jesus Christ. Les gens ils trouvaient de regarder que l'esprit de discernement qui était sur Jésus-Christ was on Peter just exactly. Était sur Pierre exactement la même chose. And the people didn't wait for him to pray for them. Vous voyez ce qu'il peut faire ce soir. Les gens peuvent dire attendre prier pour eux. Hein? Praise God. Gloire à Dieu. And they just laid them in the shadow. Seulement ils ont déposé les gens malades à l'ombre de Pierre. Hein? That's what we spoke about, yes. Voilà qui veut parler maintenant. Then là. He says now, they says, then we today who claim to have the baptism of the Holy Ghost. Mais maintenant nous aujourd'hui qui dire nous avons le baptême du Saint-Esprit. And have to wait for something to be done. Nous devons attendre qu'il fasse quelque chose. We wait for something to be done. Non, on attend que quelque chose soit fait. But we claim to have the Holy Ghost. Et pourtant nous réclamons que nous avons le Saint-Esprit. God help us tonight. Que Dieu nous aide ce soir. He says, God is here. Dieu est ici. God is here to make well. Dieu est ici pour faire bien. He is here to heal. Il est ici pour vous guérir. He already done it. Il l'a déjà fait. You just have to say, I believe tonight. Seulement dites, je crois ce soir. And it shall come to pass. Et cela viendra à s'accomplir. Raise your faith. Élevez votre foi. To the higher standard. Eh bien, au niveau le plus élevé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tout le monde m'entend ce soir? Oh. C'est pas trop fort? Même on l'a pas trop fort. Maintenant, on plie déjà. C'est trop fort, on va baisser. Praise God. Do you believe? Vous le croyez? Hallelujah. Hallelujah. Something is about to happen. Quelque chose est sur le point d'arriver. If you believe. Si je te crois. Amen, amen, amen. Amen, amen. And then he says, let's continue. He says, in the message. Le message, with Moses. Comme j'étais avec Moïse, paragraphe 25, prêché le 3 mai 51. That's the prophet saying, I have kindled God to a place where I want to get more boldness. Écoute bien, c'est un, ceux qui m'ont bien compris dans cette citation. Les gens m'ont arrivé à une place maintenant, quand mon lève plus, il a plus hardiesse. C'est-à-dire, au lieu d'attendre vision, il est maintenant bougé par la foi. Hein? Il arrive un moment que maintenant, on a plus de courage, de hardiesse. Says I want to take the initiative side. Il dit moi les trouve moi peux prendre l'initiative. Il y a pas tant non il est. Moi prends l'initiative. Regardless of whether it's under the discernment. Il y a peu importe si sur le discernement. Il peut bien attendre ça dit. Mais il prend l'initiative. Il a un peu plus de courage pour faire que les choses arrivent. Says I want to go forward and challenge the enemy. In a boat. Les gens voulaient avancer et défier l'ennemi dans un libéraudier, dans une position courageuse, dans un élan courageux. C'est un mot like timid sort of a person. J'ai un mot un peu timide, une personne, n'est-ce pas, un peu timide. And I only try to work as I see the spirit of God working. J'ai mot seulement essayer de faire œuvrer comme on trouve l'Esprit Saint peut agir. And then I speak. Comme on trouve l'esprit c'est une vision ou un discernement, il y a seulement mon parler. But that's not exactly a faith. Ah, mais ça c'est pas la foi vraiment. That's seeing exactly what's going to happen before you say. Qui fait mauvais trouve la chose dans vision
La chose qui peut arriver exactement, les mots de Jali, ce n'est pas la foi. He's trying to say that I always want to wake when I see visions. Les mots libéraux disent par là que lui, tout le temps, il retravaille, fait l'œuvre de Dieu que quand il gagne une vision uniquement. Or maybe I have a discernment. Ou bien il gagne un discernement, les lames me disent quelque chose. That's when I want to work. Et c'est là qu'il m'a envie de travailler dans les conditions pareilles. But he says, I want to do something different. Je vais maintenant me les changer, faire une affaire différente. I want to go with the boldness. Je vais maintenant avancer avec orgueil, avec courage. Amen. Amen. He continues. Vous comprenez, hein? Next one. He says, I want to step out with faith tonight. Et ce soir, je voulais faire un pas par la foi. I want to come out with when something new that I haven't done before. Je voulais tout moi, engage-moi dans une affaire nouvelle qu'ils aiment faire avant. Take the other side and say, prendre l'autre côté et dire, Satan, Jesus Christ sent me to do this. Satan, Jésus-Christ, il nous envoie moi pour faire ceci. You have got to leave the people. Tu as besoin abandonne ces gens, Satan. And just make a bold command without even seeing anything. De faire lance un commandement, lance un ordre courageusement, même on va finir tout noyer. Believing it with all my heart. Et croire cela de tout mon cœur. And I believe God will confirm it. Et je crois que Dieu confirmera cela. And great signs and wonders will be done. Et de grands signes, de grands prodiges seraient accomplis. And I'm putting it to test tonight. Et ce soir, mon médecin passe par un test, lui dire. Going to challenge the devil. Défier le diable. Without vision, sans vision. Without a dream, sans un songe. Without discernment, sans de discernement. But stepping out, mais faire un pas par la foi. With faith and un say, pas par la foi et déclarer. God has sent me. Que Dieu il envoie moi. To rebuke the devil. Pour chasser les rebuke démons. Rebuke the sickness. Pour chasser les maladies. That you may receive your healing tonight. Afin que tu puisses recevoir ton guérison ce soir. That was the prayer of the prophet. C'était la prière même du prophète. That's my prayer tonight. Et c'est ma prière ce soir. The devil has no power. Le diable n'a aucune puissance. To stand in your way. Pour n'est-ce pas, eh bien, comme dire, obstruer votre voie. Have faith in God. Ayez foi en Dieu. D'accord, l'église? C'est extraordinaire ce qu'il veut dire là. Hein? Prends ça au sérieux. Praise the Lord. Amen. Something will happen. Quelque chose aura lieu. When you have that kind of faith. Quand vous avez ce genre de foi là. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Et avancez avec courage. Man. Déclare la chose. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let's see it. L'autre. And he says the same. And tonight has been the time when I was going to come to the other side without discernment. Et ce soir, c'est le temps que mon bou, n'est-ce pas, aborde le sujet sans discernement. Just going right out and pray for the people and command that spirit to leave the people. Eh bien, sortir de l'avant, prier pour les gens et commande cet esprit pour quitter ces gens-là. That's got them bound. Cet esprit qui nous garde liés. Not knowing what it will be. Moi, je connais. Ce sera quoi? Je ne sais pas. But put myself and them to out there on God's promise. Me les place moi-même et le peuple là-bas sur les promesses de Dieu. Put myself and you together on God's promise. Place-moi et vous ensemble sur la promesse de Dieu. And stay right with it. Et reste avec ça. Oh my! Oh là là! That's very powerful, my brother. C'est très puissant. Moi, je vais crier malheureusement. God là-bas. Is very faithful. Mais c'est très important que vous de réagir à la parole. Là, vous avez levé dans votre. God position. Keeps His word. Dieu tient sa parole. If we believe His word. Nous croyons sa parole. It shall come to pass. Cela viendra à s'accomplir. We are going to walk with joy. Nous allons marcher avec joie. We will testify. Nous allons rendre témoignage. Because he is a great physician. Parce que c'est un grand médecin. He's a healer. C'est le guérisseur. He's a mighty conqueror. C'est le puissant conquérant. Hallelujah. Hallelujah. So we are coming with faith. Et si nous venons avec la foi. To command the evil spirits. Pour commander aux esprits méchants. All the oppression. Toutes les oppressions. Every temper. Et bien chaque tempérament, démon,
Chaque démon. We say Satan. Nous disons Satan. We are commanding you. Nous te ordonnons. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Stay away from us. Eh bien, reste loin de nous. Éloigne-toi. We are going to have victory tonight. Nous aurons la victoire ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe him tonight? Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Amen. I believe him. Ah, je crois cela. It's going to do something tonight. Cela fera quelque chose. Praise God. I give you the examples. Les exemples, je vous donne les exemples. Abraham's faith. La foi d'Abraham. When he took, he took Isaac. Quand il a pris Isaac pour to le sacrifice sacrifier. Him. Quand il a pris Isaac pour le sacrifier là-bas sur la montagne Moria. Abraham had no vision. Abraham n'avait pas de vision. He had no dream. Il n'avait pas de songe. But he walked by faith. Mais il a marché par la foi. He took the son. Il a pris le fils. Obeying the word. Il obéissait à la parole. What God has said. Dieu a déclaré. I will do. Ce que Dieu a déclaré, je le ferai. And he went to Mount Moria. Vers la montagne Morija. And offered Isaac. Et il fit offrir Isaac. And the angel came down. Et l'ange est descendu à ce moment. Abraham. Dis Abraham. Stay your knife. Retiens ton couteau. Don't kill your, don't slay your son. Ne tuez pas ton fils Abraham. Abraham walked by faith. Abraham a marché par la foi. Without a vision. Sans une vision. And he was rewarded. Et il était récompensé. And he was called the father of faith. Et il était appelé le père de la foi. What a blessing. Quelle bénédiction. What a faith we need tonight. Quelle foi nous besoin ce soir. Walk by faith. Marchez par la foi. And God will honor you. Et Dieu va vous honorer. Talk about Ruthie. Nous parle de la foi de Ruth. All the way from Moabite. The land of Moabite. L'Israël Moabite de la terre de Moab. The husband died. Son mari mort. Naomi was returning back. Et Naomi retourne à Bethléem. And she said. Et lui dire à Naomi. I'll follow you. Je vais te suivre, Naomi. Your God. Ton Dieu. Will be my God. Sera mon Dieu. Your people. Ton peuple. Will be my people. Sera mon peuple. Where you die. Là où tu mourras. I'll die there. Mourir là-bas. She followed by faith. Elle a suivi Naomi par la foi. No vision. Sans vision. No dream. Sans songe. No discernment. Sans discernement. But she said. Mais il dit, I will follow you. Je vais te suivre, Naomi. That is a kind of faith. C'est ça le genre de foi. We need today. Que nous venons aujourd'hui. To follow our God. De suivre notre Dieu. To worship him. De l'adorer. And you receive something. Et tu recevras quelque chose. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. And she was rewarded. Et elle était récompensée. She got married. Elle est mariée. To Boaz. À Boaz. Without even expecting any marriage. Pourtant, elle ne veut attendre aucun mariage. But because she trusted in God. Mais parce qu'elle fut faire confiance en Dieu. The God of Naomi. Le Dieu de Naomi. Rewarded her. Le Dieu de Naomi l'a récompensée. Praise God. Gloire à Dieu. What a blessing. Quelle bénédiction. We find Mordecai. Nous voyons Mardoché dans le livre d'Esther, Mardoché. The faith of Mordecai. La foi de Mardoché. Telling Esther. Dire à Esther. My daughter. Ma fille. God will reward you. Dieu va te récompenser, Esther. She was teaching her good ways, good manners. Et bien Mardoché enseignait à Esther une bonne façon de faire, une bonne conduite. And Mordecai gave, Esther to be among the maidens that we are going to be chosen from. Et Mardoché, l'infine donne Esther pour être parmi les jeunes vierges qui seraient données, n'est-ce pas, comme femme au roi Assuérus à l'époque. He says, I will give you also. Eh bien, donne-toi aussi, Esther, n'est-ce pas, pour être la femme du roi. To be among those the king is going to choose. Pour être parmi celles, eh bien, parmi lesquelles le roi allait choisir une épouse. Without even a vision. Sans même une vision. Without even a dream. Sans même un songe. But by faith. Mais par la foi. Esther. Esther. God will reward you. Dieu va te récompenser, Esther. A God of Israel. Le Dieu d'Israël. Will bless you. Va te bénir. You'll be the wife of the king. Tu seras la femme d'un roi. Without a dream. Sans un songe. And for sure, Esther became the wife of Ahasuerus. Et certainement, Esther est devenue la femme du roi Assuérus. What a God we serve. Quel Dieu nous servons. We believe by faith. Nous croyons par la foi. We walk by faith. Nous marchons par la foi. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Glory to God.
Thank you, Lord. He's praying the trumpet. God bless you, brother. Praise God. Libo, de trop rester tranquille, laisse les Congolais crier amen à la parole. The joy that is in his heart. La joie qui est dans son cœur. Amen. Oh my, to worship God. D'adorer Dieu. Amen. Moi j'avais quelqu'un qui faisait chauffard, toute longue mon rayon, quand il prêchait. C'était beau. We find the young boy by the name of David. Il trouve le jeune garçon au nom de David. Fighting Goliath. Pélagé contre Goliath. And he came out. Et il vient devant Goliath. To the army of Israel. Il vient sur le champ de bataille, là, l'armée d'Israël. And he found there was a contention. Et bien, quand il arrive là, il trouve qu'il y a un conflit et la guerre. Between the Philistines. Les Philistins, ils rangent en bataille. And Israel. Et avec Israël. And David came. Et David est arrivé là. And he heard the insults. Et il fit entendre les insultes poussées par Goliath. Defying the army of the living God. Et les insultes défiant l'armée du Dieu vivant. By Goliath. Par Goliath. And David said, et David déclare, what has the king said? Oh, qu'est-ce que le roi dit? Of the one who is going to slay that giant. Qu'est-ce que le roi dit à propos de celui qui tuera ce géant-là? And they told him the story. Et bien, il raconte David l'histoire, ce que le roi a promis à celui qui va tuer Goliath. And he made some kind of noise. Et bien, il a quelques bruits là autour de lui. Until the king heard. Et là, il y a un tumulte qui est arrivé dans le camp. Who is this boy? Le roi, il entend, parle de David. Mais qui est ce jeune garçon? Bring him here. Amène-le ici. And they brought David. Et ils amènent David. King Saul. Devant David devant le roi Saül. And so and King Saul said, are you the one who is saying you can fight him? Et le roi Saül dit, es-tu celui-là qui me déclare tu vas la guerre contre Goliath? And David says, yes, my lord. David dit, oui, mon seigneur. Says, how do you know? Comment tu connais? Says, because one day. De parce qu'un jour. On the backside. Of the mountain. Là, derrière la montagne là-bas. The lion came. Le lion est arrivé. I took my slingshot. J'ai pris ma fronde. I slaughtered him. Et bien, me fit tuer ce lion-là. Smote him down. Me frappe-lui à terre. And he died. Et il mort. The bear came also. Un loup aussi est venu. I killed it. Me tuer cet ours-là aussi. And the God of God, the God of Israel. Et le Dieu d'Israël. He will give me that giant. Il vous donne moi ce géant-là aussi. I'll slay him. Je vais le tuer. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. He had no vision. Il n'avait pas de vision. He had no dream. Il n'avait pas de vision. He had no any discernment. Il n'avait aucun discernement, aucun songe. But what he had, mais ce qu'il avait, is faith. C'est la foi. He had faith. Il avait God. La foi en Dieu. And the king said, go. Et le roi dit, allez. And there he went on the, you know, on the bank, on, you know, on the valley. Et là, il descend dans la vallée, près des rives de la rivière, là, and dans la rivière. Took those five stones. Et il prend les cinq pierres de la rivière, du torrent. Standing for faith. Et il qui veut dire la foi. Là. Standing cinq. For Jesus Christ. Infaillite H, la foi. Et Jésus, J-E-S-U-S. Les cinq pierres. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. And he took only one stone. Et il prend seulement qu'une seule pierre. And he put in the slingshot. Et il met ça dans la fronde. And he begins. Alors il commence swinging. Tourne ça en rond. Praise God. Alléluia, gloire à Dieu. Without a vision. Sans une vision. Without a dream. Sans un songe. He held up the stone. Et bien il attrape la pierre. In the slingshot. Dans la fronde. Says, I know the God I believe in. Et je crois dans ce Dieu que je crois. I know the message I'm following. Je connais le message qui me peut suivre. I know the power of God. Je connais la puissance de Dieu. I know the miracles of God. Je connais les miracles de Dieu. And he let go of the stone. Et il lâche la fronde, la pierre. And the God of heaven. Et le Dieu du ciel. Multiply the power. Et le Dieu du ciel il multipliait la force de cette pierre-là. And the power of the stone went. Et la puissance de cette pierre and knocked down the giant. Et puis il renverse le géant. And David triumphant. Et David était triomphant. Without a dream. Sans un songe. Without a vision. Sans une vision. How many wants to believe that? Combien voulez croire ça ce soir? Et la foi qui avance comme ça. That today, et aujourd'hui, I'm coming to be prayed for.
Aujourd'hui, vous venez pour faire la prière pour moi. Have no feeling, have no discernment, have no any feeling, but I'm thinking God will heal me. Mon père n'a aucune sensation, mon père n'a aucun sentiment, mon père n'a aucun discernement, mais je crois que Dieu va me guérir. No emotions, pas d'émotion, but I believe. Mais je crois. I will receive my healing. Je crois que je recevrai ma guérison. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Praise God. Gloire à Dieu. And the prophet is saying in the message, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour toujours. Verset 10, 52. Says now a gift of healing doesn't mean that man heals anybody. Et maintenant, un don de guérison ne veut pas dire que l'homme guérit quelqu'un. It means a man that's got faith in divine healing. Mais il peut parler d'un homme qui a la foi dans la guérison divine. That can point the people to the finished work of Jesus Christ at Calvary. Un homme comme ça qui a la foi, il vous pointe les gens vers l'œuvre déjà achevée de Jésus-Christ au calvaire. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. And it says, and if a person can just take God at his word. Yes, si une personne seulement capable de prendre Dieu au mot. And see the work finished there at Calvary. Et contempler l'œuvre déjà achevée là-bas au calvaire. And accept it in their own life. Et accepter cela dans votre propre vie. That settles it there, right there. Cela. Oh, is necessary. Cela règle la question là déjà. C'est tout ce dont nécessaire. That's what we need tonight. C'est ce qui ce soir nous besoin the ce soir. Was finished. Le travail est déjà achevé. La croix du calvaire, le travail est déjà fini. 2000 ans de cela. Si seulement nous allons prendre Dieu au mot say, I believe. Et dire je crois. It's finished. Et la chose est réglée. La chose est déjà accomplie. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. In the message, as I thought on my word. Dans le message, quand j'ai réfléchi sur mes voies, prêché 14 août 59. Says somebody touched him with a different kind of a touch. Ça c'est la femme à la perte de sang. Et quelqu'un l'avait touché avec une différente sorte de toucher. Now that's the kind of touch we want to talk on for just a minute. Maintenant c'est ce genre de toucher dont nous voulons parler pendant juste une minute. Not the way you shake hand, you shake your hand. Ce n'est pas la façon de donner la main d'immune, n'est-ce pas? Or put your name on the book. Ou bien mettre ton nom dans un livre. But a touch that Jesus can feel. Mais un toucher que lui Jésus peut ressentir. That's the touch I want tonight. C'est ce toucher-là que je veux ce soir. Touching the hem of his garment. Toucher le bord de son vêtement. And say, Lord, tonight. Et dire, Seigneur, ce soir. I receive my healing. Je reçois ma guérison. I receive my deliverance. Je reçois ma délivrance. Hallelujah. Hallelujah. God is able. Dieu est capable. He will make a way in your life. Il fera un moyen dans that votre vie. Woman. Cette femme-là, that woman, cette femme-là, with the blood issue, avec la perte de sang, she went in the audience, elle était dans l'auditoire, pressing on, libre, avancée dans l'auditoire, until finally, jusqu'à finalement, she touched him, elle toucha le bord de son vêtement. Hallelujah. Hallelujah. And the prophet says, et dit le prophète, ça toujours, the same message, le même message quand j'ai réfléchi à mes voix. Says now. That little woman had a need. Et maintenant, cette petite dame avait un besoin. And he looked around. That's Christ. He looked around over the audience. Il y a Jésus-Christ, la femme touche-lui. Il regarde autour dans l'auditoire. How many knows that Jesus had the spirit of discernment? Combien connaît que Jésus avait l'esprit de discernement? Sure, without measure. Bien sûr, sans mesure. But he didn't know. Mais il ne le savait pas. The one who touched him. Il ne savait pas. Ça c'est joli, hein? Il ne savait pas celle qu'il avait touchée. Let's give it a clap. Let's give it a clap. Nous donnez un applaudissement. Hein? Il ne savait pas qui l'avait touché. The prophet says,
Now, if he would have known, he would have told the truth. Mais s'il avait su, il aurait déclaré la vérité. He is God, and he could not do nothing else but tell the truth. Il est Dieu et ne peut rien faire d'autre que de dire la vérité. But he didn't know who did it. Mais il ne savait pas qui l'avait fait. But God was in him. Mais Dieu était en lui. And he looked around over the crowd. Et il chercha parmi la foule. Looking for the woman who touched him. Il chercha auprès de la femme qu'il avait touchée dans la foule. He just said, "Somebody touched me." Il n'a fait que dire, quelqu'un m'a touché. When he had discernment. Eh bien, pourtant, il avait le discernement. He had all the knowledge. Il avait toute la connaissance. But he didn't know. Mais il ne savait pas qui l'avait touché. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. He began looking now over the audience. Maintenant, il commence à regarder sur l'auditoire. Hallelujah. Hallelujah. Until we found the little woman. Jusqu'à ce qu'il y réussit, n'est-ce pas, identifier la petite femme. He told her that her faith, il dit ta foi, her faith, ta foi, her faith, ta foi, had healed her blood issue. Toi la foi, une guéritoire de ta perte de sang. Toi la foi, à toi, toi la foi, à toi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. He looked around in the church. Jésus-Christ, il regarde autour dans l'église. We are looking around in the church. Et maintenant, nous nous regardons autour dans l'église. Somebody here. Quelqu'un ici can touch him, capable de toucher lui, with a different touch, un toucher différent. Somebody here, quelqu'un ici can receive the healing, capable de recevoir son guérison. Hallelujah. Hallelujah. Without knowing your problem, même sans connaître ton problème. I don't know your problem. Je ne connais pas ton problème. I don't know your disease. Je ne connais pas ta maladie. I don't know your pressure. Je ne connais pas ton pression. But your faith, mais toi la foi, can touch Jesus. Toi la foi capable de toucher Jésus. Can touch God. Toi la foi capable de toucher. And you receive your healing. Et de recevoir ta guérison. Tonight. Ce soir. You are going a different person. Ce soir, tu sortiras d'ici une autre personne. Est-ce que je le crois? He's a healer. Est-ce que vous le croyez? He's a healer. Il est le guérisseur. He's a healer. Il est le guérisseur. He's a healer. Il est le guérisseur. He's here tonight. Il est ici ce soir. To answer your problem. Pour répondre, pour résoudre vos problèmes. Amen. Amen. Why would God, when he's full of knowledge and discernment, comment Dieu, ce Dieu qui est plein de connaissances, plein de discernement, start looking pourquoi, in the audience? Pourquoi il regarde dans l'auditoire? Alors il a la connaissance, le discernement, il regarde dans l'auditoire. Why would he start looking around? Who touched me? Pourquoi il regarde autour de lui? Qui m'a touché? When he knew the hearts of the people. Parce qu'il connaissait les cœurs des gens. God was demonstrating. Dieu, tu veux faire une démonstration. That your faith, que toi la foi, can touch him. Toi la foi, capable de toucher lui. Toi la foi, toi, capable de toucher lui. Don't wait to be told. Pas attendre qu'il dise toi une affaire. I want to hear a dream. Moi, entendre qu'il ait un songe au moins. I want to hear about a vision. Moi, veux entendre une vision au moins. Or to be discerned. Ou bien un discernement au moins. Then I will believe. Là seulement vous croyez. That is good. Ça c'est bon. But faith. Mais la foi is beyond that. Ah, mais la foi, il y a au-delà de ces choses-là. Without discernment. Sans discernement. Without vision, without a dream. Sans discernement, sans vision, sans un songe. Faith can anchor. Faith can rise. La foi peut t'ancrer. La foi peut s'élever. Can make you rise and receive your desire. La foi élève-toi. Et fais-toi recevoir ton désir. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sure, my brother. C'est certain, mon frère. And it says in the message, spoken word, original seed. Dans le message, la parole parlée et la semence originale, prêché 62, 8 mars. It says, God never placed signs ahead of his word. Le bon Dieu jamais ne fait un signe vine en priorité de sa parole. Bon Dieu ne place les signes. Priorité de sa parole. Amen. Amen. That's the scorcher. Il y a mon et plus mon des grailles intégrées, un petit peu douleur. Bon, j'ai pas place les signes. Eh bien,
là-haut sur parole. God never placed signs ahead of his word. Dieu jamais place les signes au devant de sa parole. They were added for proof of the word. Mais les signes inajoutés comme preuve de sa parole. But the word is first. Mais la parole est en premier. C'est pas les signes, mais la parole en premier. And faith comes by hearing the hearing what the word. Et la foi vient de ce qu'on entend. Entend quoi? Entendre la parole. The word first. La parole en premier. Then signs and wonders. Après les signes et les prodiges. All your visions. Toutes vos visions. All your dreams. Tous vos songes. All your discernment. Tous vos discernements. Comes following, following suit. Tout cela c'est eh bien, résultat que nous suivre la parole. Behind. Tout cela suit par derrière. Obey the word. Obéir à la parole. Follow God. Suivre Dieu. Receive his word. Reçois sa parole. Then the signs and wonders. Et les signes et les prodiges viendront par la suite. Amen, amen, amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. And says Elijah said to the woman. Élie avait dit à la femme. Says, bake me a cake first. Élie avait dit à la veuve de Sarepta, fais-moi d'abord un gâteau. First, the word of God. Premier, la parole. Fais-moi d'abord un gâteau. Amen, amen. Amen. Bake me a cake first. Fais-moi d'abord un gâteau. Then watch the miracle happen. Et puis observe le miracle qui aura lieu après. And he's saying, come to the word first. Viens, watch the miracle. Viens à la parole en premier et puis observe le miracle qui aura lieu après. Come to the word first. Venez à la parole en premier. Then watch the miracle. Et puis ça observe le miracle aura lieu après. Believe his word. Crois à sa parole. Believe the prophet. Crois au prophète. Then watch the miracle. Et puis ça observe le miracle. God is so faithful. Dieu est tellement fidèle. Because he told Elijah. Parce que Dieu dit à Élie that God to set a path. Va à Sarepta. There I will sustain thee. Voilà, j'ai ordonné à une veuve de te soutenir. Va à Sarepta. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. It was the word of God. C'était la parole de Dieu. Go there. Va à Sarepta. I will sustain you. Eh bien, je vais te soutenir là-bas. So when Elijah came. Et quand Élie est arrivé dans la femme. Found the woman. Quand il trouve la femme. Gathering the sticks. Puis ramasse les deux morceaux de bois, les bois. And told her. Et lui dit à la femme. Bake me a cake first. Fais-moi d'abord un gâteau. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Says the Lord. Gloire à Dieu. And the seed word itself is what the Holy Spirit energizes. Et bien, la parole semence, c'est ça que le Saint-Esprit donne l'énergie, donne vitalité. C'est la parole semence qui le Saint-Esprit vivifie. That's what God energizes. Voilà ce que Dieu vivifie. It's a seed word. C'est la parole semence. It was a spoken word. La parole parlée. How can a messenger sent from God just believe some kind of scriptures and not all the words? Comment un messager, n'est-ce pas, soi-disant envoyé de Dieu, qu'à croire que quelques-unes des écritures seulement et non pas toute la parole? Every messenger believes the word. Chaque messager croit la parole. Elijah believed the word of the Lord. Élie avait cru à la parole du Seigneur. And spoke the word. Élie parle la parole. To the woman. À la femme. He found her gathering the stick. Il trouve la femme en train de ramasser le bois. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Elijah of that day. Et l'Élie de ce jour-là. Is the Elijah of today. C'est notre Élie d'aujourd'hui. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That's why I put the face of William Branham there. Voilà pourquoi je mets cette photo là, William Branham. Hallelujah. Hallelujah. And the woman was gathering two sticks. Et la femme ramasse des dix bois. Making a cross. Faire la croix avec des dix bois. Let me die. La femme peut redire par sur la croix, laisse-moi mourir à moi-même. When I die. Quand je meurs à moi-même. God is able. Dieu est capable. To resurrect me. Dieu est capable de me ressusciter. There's power. Il a la puissance. On the cross. Il a la puissance sur la croix. Il y a deux morceaux de bois qui veut dire la croix. Glory to God. Gloire à Dieu.
The sticks were standing for the cross of Calvary. Eh bien, les bleus, deux bouts de bois représentaient la croix du calvaire. Are you here tonight? Êtes-vous ce soir présent? Êtes-vous ce soir présent là? Do you believe your prophet? Est-ce que tu crois dans notre prophète? I believe him. Moi, je crois en lui. He says, make me a cake first. Fais-moi d'abord un gâteau. Make me a cake first. Fais-moi d'abord un gâteau. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Praise God. Gloire à Dieu. She was trying to argue. Elle essayait au début d'argumenter avec le prophète. I said, no. Dis non. What I have is not even enough. Ce que j'ai actuellement n'est pas même suffisant. I'm just going to make a meal. With my son. J'allais me faire un gâteau. Nous allions manger, moi et mon fils. Et puis nous allons mourir. Eat and die. Nous allons manger et mourir après. And the prophet said, et vous déclarez. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Your body of meal. Et bientôt, eh bien, ton pot de farine. Will not dry. Eh bien, pas pour sec du tout. And the cruse of oil. Et ton cruche d'huile. Will not waste. Eh bien, pas pour manque jamais de l'huile. Until the Lord sends the rain. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie la pluie. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. That was the word of the Lord. C'était la parole de l'Éternel. And the woman. Et la femme. Looked at the prophet. Eh bien, la femme regarda au prophète. Look at the servant of God. Et regarde au serviteur de Dieu. She believed. Elle a cru. Without a vision. Sans une vision. Without a dream. Sans un songe. Without anything. Sans rien. He said, I believe. Je crois. She went in the house. Il rentre dans la case. She began cooking. Il commence à cuire, manger. Preparing the cake. Il commence à préparer le gâteau. Without a dream. Sans. She said, whether I die, même si ma mort, I don't care, peu importe si because of the servant of God. À cause du serviteur de Dieu, mon brother, même si ma mort, hallelujah, hallelujah, God is able, Dieu est capable, God is able, Dieu est capable, to bless your house, de bénir ta maison, bless your marriage, Dieu est capable de bénir ton mariage, bless you at the place of work, Dieu peut te bénir d'une façon spéciale, as long as you save him. Aussi longtemps que tu le sers. And keep his word. Et garde sa parole. Oh my. C'est bien, n'est-ce pas, l'église? She saw a miracle. Elle a vu un miracle. The greatest miracle in her life. Le plus grand miracle dans sa vie. That's why the Bible says in Romans, dans, faith comes by hearing. Il est dit dans le livre des Romains, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Widow woman had never seen Elijah. La femme veuve n'a jamais vu Élie avant. But she took his word. Mais il prend la parole d'Élie sans discernement, vision, sans vision, dream. Sans rêve. She believed his word. Elle n'a fait que croire sa parole. And it became the greatest miracle in her life. Et ça a été le plus grand miracle dans sa vie. Do you want a miracle tonight? Vous voulez un miracle ce soir? Vous voulez un miracle ce soir? Apply your faith. Applique-toi la foi. It's your faith tonight. Votre foi ce soir. Which is going to bring a miracle. Qui va mener un miracle ce soir? It's not by me. C'est pas par moi. It's by yourself. C'est par vous-même. In God. En Dieu, de la foi en Lord, Dieu. I believe. Yes, Seigneur, je crois. You see the power of God. Vous allez voir la puissance de the Dieu. Faith of Hannah. La foi de Anne, dans Samuel, hein? Anne. Hannah, yes. Hannah, the mother of Samuel. Anne était la mère de Samuel. Went in the temple to pray. Il allait dans le temple, là-bas, il commence à prier. She may conceive and bear a child. Afin qu'il soit capable de concevoir et avoir un enfant. She went by faith. Elle est allée par la foi. Without any vision. Sans aucune vision. And the priest, when the priest Eli saw her crying in agony of faith. Quand le sacrificateur Eli et tu peux agoniser dans la prière de la foi. The priest's discernment failed to catch what Hannah. Même le discernement du sacrificateur, il faillit pas saisir le besoin de Anne. Even the priest failed to catch. Même le prêtre, une grande boîte divine de la Bible. Il faillit reconnaître le besoin de Anne dans la prière. I don't know what you need, what you desire. Eh bien, moi, je ne sais pas ce qui te désire ce soir, tu en as besoin. But your faith, mais ta foi in God, en Dieu, can cast your desire, capable, n'est-ce pas, répondre à ton besoin, receive your desire, et recevoir ton désir.
Hallelujah. Hallelujah. It's not the pastor. Ce n'est pas le pasteur. The preacher. Ce n'est pas le prédicateur. The prophet. C'est pas le prophète. But it's your faith. Mais c'est ta foi. In God. En Dieu. It will do wonders. Et cela fera des prodiges. Praise the Lord. Gloire à Dieu. God is so wonderful. Dieu est tellement merveilleux. When Lazarus died. Lazare est mort. Martha believed by faith. Marthe, il croit par la foi quand Lazare est mort. That if Jesus was here, si Jésus était ici, her brother would have not died. Son frère ne serait pas mort. And when Jesus came, et quand Jésus est arrivé, she believed by faith without a vision. Elle a cru par la foi sans aucune vision. That whatsoever Jesus would ask of God, que tout ce que Jésus demanderait à Dieu, God will grant it. Dieu l'accorderait. Jesus was so impressed. Jésus était tellement impressionné about the mindset of Martha. Avec l'attitude de la pensée because de Martha. Her faith looked to the promises of God. Parce que sur la foi, il regarde aux promesses de Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. And her brother came back to life. Et ce frère, il ramène à la vie. The faith of Martha. La foi de Martha. She didn't see a vision. Elle n'a pas vu de vision. To see Lazarus coming out of the tomb. Elle n'a pas fait une trouver une vision que Lazare sortait du tombeau. But she trusted in the resurrection. Mais elle avait mis sa confiance dans la résurrection. She believed God's word. Elle a cru à la parole de Dieu. That anything can happen. Que tout peut se passer. Whatever Christ can ask. Eh bien, tout ce que Christ peut demander, can come to pass. Cela viendra à se réaliser. Do you believe tonight? Est-ce que vous le croyez ce soir? Something can happen. Quelque chose peut arriver. You believe. Vous ne faites que croire. Glory to God. Gloire à Dieu. See what faith can do. Voilà ce que la foi peut réaliser. Faith is a magnet. La foi est comme un aimant. It can pull the healing. Il peut attirer la guérison. At a distance. Même n'importe quelle distance. You can pull from God. Il peut tirer de Dieu. You can pull from the preacher. Il peut tirer du prédicateur. You can pull from the anointing. Il peut tirer de l'onction. Because God has given you faith. Parce que Dieu il donne toi la foi. Do you believe it? Vous le croyez? Faith vous le croyez? Is a magnet. La foi est un élément. Hallelujah. Faith has value. La foi a de la valeur. More than money or precious plus stones. Que l'argent, plus que les pierres précieuses. That's la what foi faith can a de la valeur. Amen. Amen. It is so valuable. It's more than money. C'est plus que l'argent. You can spend your money. Tu vas dépenser de l'argent and receive no healing. Et tu vas recevoir votre guérison du tout. Can go to doctors, tu vas vers les médecins, specialists, et des spécialistes, and come back with the same problem. Et retourner avec le même problème. But faith, mais la foi, is more than money. C'est plus que l'argent. You can come without money. Tu vas venir avec Dieu sans argent. We don't need your money. Pas besoin de l'argent. We need your faith. De la foi qui nous besoin, pas de l'argent. To receive your healing. Pour recevoir ta guérison. Hallelujah. Hallelujah. When you are healed now, quand tu es guéri maintenant, then you can give thanks to God. Après, tu vas remercier mon Dieu après. Then you can offer your offering. Après, tu vas donner ton offrande à Dieu because après. Because God has healed you. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Without money. Sans argent. Hallelujah. Hallelujah. He loves you. Il t'aime ce Dieu-là. Hallelujah. Amen. Faith can sign a death warrant. La foi capable signe une grâce présidentielle pour l'exécuteur mort. When the doctor says, ou bien quand le docteur déclare, you are going to die. Quand il dit tu vas mourir, can you sign here? Tu vas signer tu vas mourir. We operate you. Nous pouvons opérer toi. To remove this cancer. Pour enlever ce cancer là. But we don't know. Mais nous pas connaît. If you are going to come back, si tu vas réussir retourner à la vie, you are going to die. Tu vas mourir. Then faith will say, mais la foi vous dit, I don't care. Me prenez pas. You never die. Je ne mourrai pas. And you sign there. Et vous signez là. Because faith is more than your desires. Parce que la foi va plus que vos désirs. Faith has no fear. La foi n'a pas de crainte. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. It can sign a war, you know, death warrant. Donc, elle signe votre arrêt de mort. Amen. Faith substitutes and occupies impossible spaces. De la foi, les substituer, ils prennent la place, ils occupent un espace impossible. Mm. La foi, ils prennent l'espace. Where it is very impossible. Quand là, il est impossible de pénétrer. La foi occupe un espace impossible. Where no one can enter.
où personne ne peut entrer. Not even a needle can même, enter there. Même pas une aiguille qui rentre là. But faith. Mais la foi. Can go there. Car là-bas. Operate. Et faire l'opération là. Bring the healing. Amène la guérison. And close it up. Et ferme-le après. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Faith can do that. La foi peut faire ça. Faith multiplies in milliseconds more than the germs. Yeah, la foi les développer man virus man germe développer beaucoup beaucoup par seconde. La foi les développe plus que ça. When the germs are growing in your body. Quand les germes peuvent grandir dans le corps, peuvent développer. And you are getting weaker and weaker. Et tu deviens de plus en plus faible par ces germes. Then you apply your faith. Tu appliques la foi. And say faith. Et dis la foi. Wake now. Maintenant, comment on se travaille la foi? Faith is going to multiply in milliseconds. Et la foi va commencer à se multiplier en millisecondes. Qu'est-ce qu'il est germe? Hallelujah. Et la foi lui prend le dessus plus que les germes. And all the germs are engulfed. Et tous les germes absorbés par la foi. And destroyed. Et détruits. By the power of faith. Par la puissance de la foi. And thrown out of your body. Et éjecté tous ces germes hors de ton corps. What a blessing we have. Quelle bénédiction nous avons. What faith can do. Ce que la foi peut réaliser. Faith extends the expiry date. La foi, il fait une extension la date d'expiration. Vous savez, un médicament, il a une date d'expiration. La foi, il extend, il étend la date d'expiration. If you are going to die tomorrow, si tu mourras demain, you die after 10 years. Tu mourras après 10 ans. Because of faith. À cause de la foi. Praise God. Gloire à Dieu. You say I'll never die. Te dire je ne mourrai I jamais. I don't want to die. Je ne veux pas mourir. Lord have mercy upon oh, me. Oh Dieu, aie pitié de moi. And faith will extend the day. Et la foi va étendre le jour. To more days. Et bien pour plus de jours. Blessed be the name. Béni soit le nom du Seigneur. Are you here tonight? Êtes-vous présent ce soir? Do you want God to bless you? Vous voulez que Dieu vous bénisse ce soir? I want him to bless me too. Je veux que Dieu me bénisse moi aussi. I want him to give me good health. Je veux que Dieu me donne la bonne santé. Hallelujah. Hallelujah. We were meant to have good health. Nous fûmes créés pour avoir bonne santé. Mm. Because faith gives you good health. La foi donne-nous la santé plus qu'y manger. Des fois, il m'a dit, mais la foi donne-nous la santé plus qu'y manger. Good health. La foi donne-toi bonne santé. Than rice, qui dit riz, beef, le bœuf, chicken, poulet. Faith is more than poulet. La foi est plus que le poulet. Hallelujah. 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 We can climb, we can stay with the good health. Nous capable rester avec la bonne santé, nous capable élever dans la bonne santé. People who pray, people who fast. Les gens qui priaient, les gens qui jeûnaient. They live longer. De vivre plus longtemps. They have good health. Ils ont la bonne santé. Than the people who just eat. Les gens qui ne peuvent manger. And you are complaining of now BP, sugar diabetes. La plaignez, cancer, blood pressure, all those tension, problems now. Diabète, cancer. They become your surname. Eh bien, ça vient nous si un nom, nos familles. Hein? Attention. I don't want those diseases. Je n'ai pas envie de cette maladie là. God heal me. Que Dieu m'a guéri. That's your prayer. C'est votre prière. God heal me. Dieu guéris-moi. I want to be healthy. Je veux être en bonne santé. That I may serve you. Afin qu'il me casse à toi, Seigneur. Amen. Amen. Faith does not mix with other spices. La foi pas mélange avec les autres épices. Doesn't need any pepper, you know. Piri piri. La foi n'a pas besoin de poivre, pas besoin de peri peri, piment ensemble alors. Pas besoin d'épices mélangées. Tomato sauce. Pas besoin la sauce tomate la même. Nothing. Rien de la foi. Faith does not need any mixing. Eh bien la foi pas besoin qu'un mélange. It only works alone. La foi œuvre dans la solitude seule. Praise God. Gloire à Dieu. That's the beauty of our faith. Ça c'est la beauté de notre foi. Because faith can bomb. La foi capable. Oh, une good bomb.
Vous devez être marié. C'est dans le message, hein? La foi envoie des bombes. Bomb, blast and kill the enemy in your body without side effect. Là, je vous montrerai ça dans le message. Que je veux dire. La foi capable explose, bombarde, tuer l'ennemi de tous les corps sans effet secondaire. Sans effet secondaire. Eh bien, le médicament te prend beaucoup de pilules, il a un effet secondaire, mais la foi, il explose, il bombarde, il tue tout sans effet secondaire. When the tumor is inside there, quand le tumeur est là à l'intérieur, the faith, la foi, can just go there, boom, 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 boom. La foi ne fait qu'entrer là, boom, without you shaking, sans qu'il t'obtienne de bouger dans rien. You are just there, boom, ça va, boom. No side effects, sans aucun effet secondaire. All the intestine, the liver, the lungs are in place. Eh bien, tout l'intestin, ton poumon, ton foie, tout reste en place. Only the tumor is destroyed. Seulement le tumeur est détruit dans le corps. By the power of faith. Par la puissance de la foi. Without any effect, sans aucun effet secondaire. It can kill the demon. Ça peut tuer les démons. Without you feeling it, sans qu'ils ne soient inondés. You are just as well the way you are all the days. Tu seras la même personne que moi tout le temps. That's what we desire tonight. Voilà ce que ce soir nous désirons ce soir. God help us. Que Dieu nous aide. Where you are tonight. Là où vous êtes ce soir. God is able to blast it. Dieu il est capable d'exploser la boue. Remove all the diseases. Oh, toutes les maladies. And you remain the way you are. Et tu demeures même dis-moi comment tu étais. Hallelujah. Hallelujah. But the doctors. Mais les médecins. The medicines. Les médicaments. They leave side effects. Je quitte avec toi un effet secondaire après toute l'intervention. When they are injecting you. Quand je peux injecter autres avec ma with needles. Avec des aiguilles. To give you a drip. Et donne-toi un petit goutte de ton sang. Tu commences à se plaigner. Hallelujah. Hallelujah. When you drink medicine, too much of it. Quand tu bois trop beaucoup de médicaments. It affects other organs. Il affecte même les autres organes de le corps. That's what medicine can do. Voilà ce que les capable faire même médicament. But faith. Mais la foi. No side effect. Sans effet secondaire. I'm not saying don't drink medicine. Moi ben j'ai pas boire médicaments là. Hein? Hallelujah. Hallelujah. You can drink your medicine. Bois ta médecine si tu l'es. It's according to your faith. C'est selon toute la foi. But faith. Mais la foi. Is more than medicine. Et plus que les médicaments. It has got no side effect. La foi n'a pas d'effet secondaire. It can do whatever. Et bien, you desire. Il can faire n'importe ce que tu désires. Because God. Parce que Dieu. Is a healer. Est un guérisseur. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? I believe it so. Moi je le crois ce soir. Tonight. Ce soir. He's going to do something in your life. Dieu fera dans votre vie quelque chose. As we are winding up. Alors que maintenant notre clôture est terminée. One doctor said. And when he did a message here. He says if you tell a sick person that the chances of living is slim, most patients die quickly. Si nous dire un malade qui te chance de survie. Il est bien minime. Il y a la plupart des patients d'autres mots plus vite. Quand il y a cette nouvelle-là, ta chance de survie reste trop tigine. Ton mot plus vite. Quand dis-toi ça. But if the doctor says, mais si le docteur dit par contre, I see some improvement. Me trouve un peu amélioration. You will recover soon. Bientôt, tu pourras correct. Most patients get healed. Take longer to die. La plupart des patients doivent être guéris ou bien ça prend plus longtemps de mourir. But if our Jesus came here, mais si nous Jésus vient ici, he wouldn't say, il va vous dire toi, I see some improvement. Me trouve un peu amélioration. Il va vous dire Ali. Oh, you will get well soon. Ou bien bientôt tu pourras bien. Or tell you to ignore the symptoms. Ou bien, négligez-toi, ignore les symptômes. But Jesus would say. Mais Jésus-Christ vous déclarait. By faith, receive your healing. Par now. La foi, reçois ta guérison maintenant. As a finished work on the cross. Comme une œuvre achevée à la croix du calvaire. That's our God. Ça, c'est notre Dieu.
He has no symptoms. Pas de symptômes. He doesn't say, I see. Il ne dit pas, je perçois. I think. Je pense. You are improving. Je pense que tu vas améliorer. Not with my God. Ma, pas avec mon bon Dieu. He just said, you are healed. Il seulement dit, tu es guéri. And you say, yes, I believe. Et tu dis, oui, je crois. Receive your healing. Reçois ta guérison. Tonight. Ce soir. Receive your healing. Reçois ta guérison. God is able. Dieu est capable. To heal you. Eh bien, pour vous guérir. God bless you tonight. Dieu vous bénisse ce soir. Shall we stand? Debout debout ensemble. As we are praying. N'oublie pas ce soir, ceux qui viennent en retard ne le savent pas. Ce soir, on va prier que pour 10 Praise personnes God. Seulement. Les diacres vont Praise voir ça. Les diacres vont voir qu'il y a 10 personnes seulement. Et demain, après la réunion de demain, il va prier pour le reste. Il y aura 10 personnes et je préfère que ce soit une nouvelle personne qu'il a. Les nouvelles personnes, et les diacres vont voir ça. Allez, les yeux fermés. C'est le moment important, maintenant c'est la prière. Hein? On va essayer de faire le moindre déplacement possible. Écoutez, je n'écoute beaucoup de paroles. La plus grande chose, que Dieu confirme cette parole. Je veux dire, il nous faut être très révérents à ce moment-là. Très révérencieux, très. Et les diacres vont voir ça. Même les huissiers vont voir que les gens ne bougent pas dans toutes les directions. On veut voir. Parce que s'il y a un démon qui a un démon là, sorti là, si vous êtes non pas révérent, dans la, même les enfants, vous risquez gros. Allez, il y a le prophète. Et ne bougez pas, ne bougez pas. Restez révérent, respectueux alors qu'on va prier. S'il y a un démon là, de distrait, de manque de respect, ce démon entre en vous. Alors soyez respectueux. Avec nos yeux fermés. Faire une ligne seulement là pour 10 personnes. On va prier. Tous ceux qui croient ont besoin de la délivrance. Maintenant, just one line. C'est la guérison. Si cette dame est. Qu'elle s'assoie toujours. She can even sit down. Yeah, elle peut s'asseoir toujours. Mais ne regardez pas comme un spectacle. Hein? Votre prière aussi est importante. Vous allez joindre votre foi, vos prières. À ces bien-aimés pour qui nous allons prier ce soir. Right? Alors croyez. Let's just sing that song, Only Believe. Nous allons prendre ce chant, crois seulement. Tout le monde ensemble, Only Believe. Sing Only Believe. Then only we, Believe. Et pendant. Can we pray together? Et écoutez, après ce chant, crois seulement, on va prier ensemble. Et puis after, il va commencer. After prayer, then I'll let you sit. Alors après la prière, je vous ferai s'asseoir, tout le monde, et nous allons commencer à prier pour les malades. Let's sing that song, Only Believe. Only believe, all things are possible. Only believe. All things are possible, only believe. Let's pray together now. Prions ensemble. Praying for these who Seigneur Jésus, nous rends-toi grâce ce soir pour ce grand privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Nous lisons le texte d'aujourd'hui dans les Hébreux. Approche-nous avec un cœur sincère, les cœurs lavés d'une eau pure, lavés d'une mauvaise conscience. Seigneur, c'est une heure, un moment très important. Nous sommes dans de grandes expectatives. Là, que la puissance de Dieu prenne le contrôle. Oh Dieu, tends ta main, déverse ta bénédiction ce soir. Alors que la prédication a été donnée, proclamée, confirme ta parole par des signes et par des prodiges. Nous avons entendu que la parole doit être en premier, et puis viennent les signes et les prodiges. Je dis la veuve de Sarepta, fais-moi d'abord un gâteau. Elle avait considéré la parole en premier. Elle a vu le plus grand des miracles. Seigneur, tu bénis ces bien-aimés. Que l'Église soit dans l'expectative.
Oh Dieu, passe parmi les bancs, même ceux qui ne viennent pas dans la ligne de prière, dans les rayons de la délivrance du prophète, même les gens dans les bancs là-bas, Seigneur, alors qu'ils exercent leur foi, selon leur foi, tu étendras la guérison, selon leur foi, Seigneur, tu guériras même dans les bancs là-bas au loin, Seigneur, alors qu'ils exercent leur foi, pendant que la parole, la prière est offerte. Tu vas guérir, que ta puissance se manifeste, que ta puissance descende, que ta présence, alléluia, soit réelle ce soir. Voilà pourquoi nous avons jeûné, nous avons prié, nous nous sommes mis à part, nous nous sommes consacrés pour voir ta main à l'œuvre. Et nous croyons pour la gloire de ton nom, nous croyons. Exalte-toi, Seigneur, tu es ici ce soir. Tu réponds à la prière. Puisses-tu entreprendre pour ces bien-aimés dans la vie de prière maintenant? Guéris-les, Seigneur. Afin qu'ils marchent avec la bonne santé. De grâce, toi. Oh, donne toute la vie à toi, Jéhovah. Oh, nous demandons ta bénédiction sur tous. Alors que nous prions par la foi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, assisez tout le monde. Your heads as you are seated. Alors que vous êtes assis, s'il vous plaît, inclinez vos têtes. Le frère va prier pour ses bien-aimés. Je demanderai au frère de rester avec le frère Charlie Oba. Si vous interprétez, l'interprétez. Je suis là. Chante tout doucement avec révérence ce petit chant-là. Encore, only believe, tout doucement. Only believe. Only believe, all things are possible. Only believe. Tout doucement, murmurez. Only believe. We are coming by faith. Lord, you may touch your son. Got such a trouble in his flesh. Oh, all the headache, things the oppression come upon him. You Satan, you tormentor, we command you by the power of God. Please, be gone. Crois seulement. Right now, crois in the name of Jesus. Mighty God, bless that dear person. Let him receive the healing. Oh, the trouble. Oh, the demons. Be gone right now. I'm chasing you by the power of God. I command you possible. To leave right now. Be gone. May the healing cross of God. Cross. We are healed. In Jesus' name. Cross. Cross. Crois seulement. Jésus est là, tout le monde ensemble. Jésus est là. Jésus est là. Mighty God, thine daughter. Tout est possible. She has been oppressed. Jésus, we know that you are the great physician. You pay the price Jésus, on the cross of Calvary. Eternal God, may you touch the dear person. Jésus, that she may receive the healing. Tout est possible. From the cross of Calvary. Tout break est possible. All the palaces. Oh, that oppression. She fails to walk properly. But we are coming by faith. Lord, you may raise her. Et c'est dans l'adoration, alléluia. From this affliction, Seigneur, that she may walk upright. Claim the healing. Seigneur, je viens à toi.
Father, grant it, Lord. Seigneur, in the name of Jesus, receive your healing. Receive the healing. In the name of Jesus. Pose ta main percée sur moi. Laisse ta puissance couler et je serai guéri. Seigneur, je viens à toi, pose ta main percée sur moi. Mighty God, let thine daughter, she has come believing in God. We have seen the power of God. You are the great physician, eternal master. Now we are claiming that total healing that was paid on the cross of Calvary, that the devil, you Satan, you demon, you oppressor, get away, please. Make it leave her. Be gone. Be gone. Be gone right now. Claim total healing. Claim, my God, the power of God. Laisse ta puissance in the name of Jesus. Claim the healing right now. Alleluia. The Lord heals you. Dans l'adoration. Thank you, Father. En toi, j'ai mis toute ma foi. Touch, Lord, thy daughter. May she en go toi, believing, ma Lord. You are the great physician. En toi, Jésus. Oh, the stomach trouble is gone now. It's gone forever. And we are claiming the healing. In the ma foi. En toi, Jésus. J'ai mis toute ma foi. En toi, Jésus, j'aimais toute ma foi. C'est vrai, l'Église? En toi, Jésus, j'aimais toute ma foi. Foi. We know the power of God. Great en physician. En toi, Jésus, pay the price. J'ai mis toute ma foi. The power is done. En take control now. We are rebuking all Jésus. The demon is the power of darkness. You Satan, you tormentor, command you to leave. Be gone. Right now, we claim. Lord, you are more precious than silver. In the name of the Lord Jesus. Receive your Lord, in Jesus. You are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I He is your son. Compare with you. Lord, you are illusions, awesome. All kinds of oppression. Lord, that the devil has ever done. You but we are coming by faith. Oh, more precious. Touch him now. Than bless him. Uplift him, Lord. Lord, honor his faith. You let him stand, Lord. You are the deliverer, Jehovah. You are the conqueror, Father. May you bless him. May you uplift him, Lord. May he excel higher and higher. You remove away the spell. Every man of confusion,
you torment us. I adjure you by the power of God. My devil, take control now. Bless him, my God. Bless him. Compared let him climb higher into your holy presence. To save you, to honor you, mighty God. You know his desire. He has come believing, Lord. As we pray, Jehovah God, as your savior, we lay our hands up. We know that you are the quickening God. You are the powerful God. Touch him, Lord. Bless his life. Yes, bless his family. We commit him, Father, that he may overcome. That the world may know the victory. Thou hast sent thy Son, Father, make us one. Father, make us one. Beloved Savior, may you touch this innocent child. May know thou hast sent thy Son. Of the enemy, the devil, you Satan, you tormentor. We are coming with the stone of David. We knock you by the power of God. Être comme Jésus. Leave him right now. Be gone. Être comme Jésus. We adjure thee. Right now, back and go. Leave this place in the name of Jesus. With the mighty God, the Lord du chemin, the good help, the Lord du chemin. Jehovah God, you are the great physician. Make a way up on this town. Oh, the crying, all the disciples, be broken down. Être comme Jésus, être comme Jésus, c'est bien là, c'est bien là. Mighty God, may you touch your daughter. All the high potential, you Satan, you are the tormentor. We are coming with the stone of David. Leave the flesh, in the name of Jesus Christ. We are claiming that you may touch her right now. Restore the good health. Let her overcome all the spells, all the confusion. The power of Satan, get away. We are chewing by the power of God. We are claiming mighty God. May you give us victory. May she go believing. The sustainable God, the great you physician, so deliver God. Make a way upon her. May she go trusting in the so name pure Jesus. And so kind. You shine like the morning star. What a wonder you are. The devil is a liar. What a wonder. You Satan. You tormentor. We command you by the power of God. Jesus. Be gone. Right now, what a wonder you are. Take full charge, my God. You are so gentle that she may save you. She may so walk pure and troubles in the so kind. Mighty God, bless your daughter. Touch her, my God. Anoint her, Father, with the right spirit. Like the morning. What a wonder you are. C'est vrai. Heal me, oh Lord, and I will be healed.
save. Tell me the words of heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I pray. You are the one I pray. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I pray. You are the one I pray. Vous êtes debout, nous allons partir maintenant. Préparez-vous, demain ça. 62, toi, le 10, 11, 62, la voix de Dieu. La grande bataille jamais livrée, cherche le mot désintègre. Je vous montre ça. Que la foi est comme une bombe. Voilà ce que dit le prophète. Le mot désintègre. Hein? Voilà, désintègre. D-E-H-T-G-U. Voilà, désintègre. Mettez toujours S-I-N. Mettez toujours S-I-N. Voilà, le mot désintègre. Voilà, donne-moi ça. Voilà. Un peu plus là-haut. Je vous montre après l'expression du prophète. Comment il dit ça? Tu veux la route, mon frère. Voilà la bataille, la toute première, le front. Ne nous servons pas d'une carabine de calibre 22. Prenons une bombe atomique. Faisons le travail comme il faut. Prenons la bombe atomique de Dieu. Qu'est-ce que c'est, frère Branham? La foi. C'est quoi la foi? La bombe atomique de Dieu. Pas prendre une carabine, prends la foi. Voilà la bombe atomique de Dieu. Elle fait sauter la maladie et les démons de tous côtés. Elle les anéantit. Elle détruit tout simplement. Elle désintègre tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand cette bombe de la foi tombe là-dedans, avec la parole de Dieu derrière elle, elle fait sauter tous les démons, toutes les maladies et toutes les infirmités. Acclamons-le. La foi, la bombe atomique de Dieu fait sauter, fait désintégrer les maladies. Alléluia! Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? La foi fait sauter tous les démons, toutes les maladies, elle désintègre tout. C'est ce que nous croyons. Alléluia! Ah, la foi illumine la nuit. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur. Louis à gloire au Sauveur. La foi ensemble le monde. La foi illumine la nuit. La foi bannit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur. Tout mon cœur chante. Content. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur. Alléluia, gloire au Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes ensemble.
nous sommes ensemble. Voilà, voilà. Vous savez que quand il finit de prêcher, comme ça, on est content qu'il nous adore au lit. Et là, c'est en parlant qu'il nous adore au lit. David dit : Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Nous sommes ensemble de nouveau. Nous sommes ensemble de nouveau. Louons le Seigneur. Parce que il m'a fait trop de bien. Rendez que même demain 10 000 langues, ce ne serait pas suffisant pour le louer. 10 000 vies, pas suffisant pour le louer. La mineur. La mineur. Lui-même nous les rois, lui-même nous sauveurs. Christ, le Fils de Dieu, lui-même sauveur. L'Itia bien content pour rendre dans tous les cœurs qu'il est vivant. Oh. Pas pour qu'à pas faire d'enlier, pour tu effaces ton péché.
l'infini faire plus donner que n'a pas accepté. Pas pour qu'a pas fait non, pour te faire stopper. L'infini faire tout donner que n'a pas accepté. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même capable sur toi. Dégagez mon camarade, fin des morts, ne pas tarder. Jésus-Christ, espère-toi, célèbre à grand ouvert, une confesse ton péché. Vini man li pardon, li poudon toi la joie. Avec tout seul amour, l'indi est dans son parole. Tout ce qui fatigue, sans y est gros gros fardeau. Vini avec lui pour qu'un repos, l'indi est dans son parole. Tout ce qui fatigue. Ça y est, gros gros fardeau. Viens avec lui pour gagner beau. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même, tous les rois. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même, capable sur toi. Lui-même, nous les rois, lui-même, nous sauveurs. Le Fils de Dieu, lui-même sauvé, lui-même nous les rois, lui-même nous sauvé. Christ le Fils de Dieu, lui-même sauvé, lui-même nous les rois. Avec les mains levées, n'ayez pas honte de l'acclamer. Christ le Fils de Dieu. Même sauvé. Alléluia. Acclame-le. Acclame-le. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Les yeux fermés. N'oublie pas que demain matin on se voit ici à 10h. Et ce, on va le présenter une dernière fois. La biographie, c'est en vente après la réunion. Vous pouvez la prendre avec la sœur Sarada, Danouchka et les autres qui sont là-bas. Je vais prier pour vous avant de partir. Seigneur, je te confie cette salle, cet auditoire. Nous avons été arrosés par ta parole. Je sais, Seigneur, que tu nous appelles à prendre l'initiative. Tu veux que nous puissions, comme Bartimée là-bas, les gens voulaient le faire taire. Il avait crié de plus fort. Seigneur Jésus, ce soir, merci pour les bénédictions, merci pour les guérisons. Nous sommes sûrs et certains que tu as béni quelqu'un, quelqu'une. Quelque chose s'est passé alors que la parole était prêchée. Ceux qui ont reçu cette parole avec joie, avec empressement, avec foi, quelque chose s'est passé. Nous te remercions, Seigneur. Quand Marthe te disait, tu l'as dit, Marthe, je suis la vie, la résurrection. Elle avait répondu, oui, je sais qu'au dernier jour, mon frère, tu vas le ressusciter. Et tu as tout de suite répondu, non, pas au dernier jour. Je suis dans le présent, le Dieu de la résurrection et de la vie. Je crois, Seigneur, que quelque chose s'est fait ce soir même. Alors que nous prions, alors que la parole était prêchée, alors dans nos louanges, quelque chose s'est passé. Peut-être nous aurons l'occasion d'entendre quelqu'un qui serait brave, assez brave, pour témoigner d'un miracle, pour témoigner que quelque chose s'est passé. Oh Dieu, merci ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je renvoie ce peuple avec ta grâce, ta bénédiction, ta protection, et que tout le monde puisse se fortifier, se préparer pour demain matin. Aussi, le frère Ashok aura sa réunion, lui, demain.
là-bas avec le frère Govind Raj. Tu bénis aussi cette réunion là-bas à Kirpip, afin que les bien-aimés de Kirpip et de tous ceux qui viendront peut-être de Bel Air ou de n'importe quel endroit puissent recevoir la bénédiction eux aussi, Seigneur, durant la réunion. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. En reprenant ce petit chant, nous allons partir avec ce chant. J'aime ce chant-là. We adore you. Je ne sais pas le dernier numéro, toujours le dernier numéro dans le recueil. You deserve the glory. Voilà. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. C'est vous. Ils sont en pleine. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no thank you.